Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et aussi président-directeur général de Novespace, une société privée filiale du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui, avec l'ESA, finance principalement ce programme de vol en apesanteur sur l'Airbus 0G. Cet avion est piloté par les équipages du Centre d'essai en vol de la Délégation générale pour l'armement du ministère de la Défense française. La maintenance est fournie principalement par les équipes de Sabena Technics, installées aussi à Bordeaux, à côté de l'établissement de Novespace. Nous commençons la manœuvre parabolique par une ressource. Pendant cette ressource, nous pesons très lourd dans l'avion, presque deux fois notre poids. Regardez la bouteille qui redescend très vite. Il faut comme ça attendre jusqu'à 60 degrés d'inclinaison. Nous entendons l'inclinaison de l'avion. 40 degrés d'inclinaison. Injection. Commence la période d'apesanteur, exactement la même période d'apesanteur que les astronautes dans l'espace. Pendant 22 secondes, nous flottons. Et puis les scientifiques autour de moi effectuent de la recherche impossible sur Terre. Ils recherchent des phénomènes en apesanteur, que ce soit sur les fruits, les matériaux, les sciences de la vie, le comportement du corps humain. Et à la fin des 22 secondes, nous redescendons. Et à nouveau, nous pesons deux fois notre poids pendant la ressource de sortie pour remettre l'avion à l'horizontale. Novespace est propriétaire de cet A300. C'est un Airbus construit en 1973. Mais qui est très jeune puisqu'il a moins de 5000 heures de vol. Nous effectuons environ 30 paraboles par vol. Entre chaque parabole, nous avons un palier d'environ 2 minutes qui permet aux expérimentateurs de reparamétrer, réajuster, régler leurs expériences en vue de la période suivante d'apesanteur, qui, je vous le rappelle, dure environ 22 secondes à chaque fois. 30 secondes. Nous sommes à 30 secondes. Et voilà, je commence une nouvelle parabole. Alain va me faire tourner en apesanteur, un peu comme les astronautes le font lorsqu'ils découvrent pour la première fois cet état très étrange dans l'espace. Il n'est pas besoin d'aller dans l'espace pour être en apesanteur. Et voilà. L'état d'apesanteur, exactement le même état d'apesanteur que les astronautes. 20. Pull out. Et on se repose. À la prochaine.